donner votre sang pour Columbia. Perdu un bras, ou que sais-je encore dans cet Orient impie. Comstock n'a rien fait, lui. Et pourtant, regardez, quelle image s'impose au-dessus de vous, encore aujourd'hui. À chaque coin de rue, comme une gifle. Si le prophète est prêt à dénaturer à ce point notre passé, quel crime prépare-t-il contre notre avenir? Nous devons prendre position et remplir son antre de la honte de véritables héros. Ok, ok. Je parlais, mais... Non, je vais pas lasser mon petit pack. Bon, je la récupère après. Où est-ce qu'il est? Comment je sais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est le type? Là-bas. Je n'ai rien d'autre. Tiens. Non, je crois que nous venons de trouver où se cache votre ami. Trouvons vite cet électroquartz et décampons d'ici. Ouais, je prends... Non, je vais prendre le petit truc ainsi. Je vais garder mon pistolet. Tu me le rendras s'il faut. Où ça, où ça? Ok, là. Okay. Tiens, prends ça. Prenez ça. Prenez ça, t'es dit. Aïe. Dégage-toi. Protégez-nous. Waouh, ils sont blindés, ils sont blindés. Santé. Waouh. Mais dépêche-toi de trouver un truc. Un peu d'or. C'est toujours de l'or. Enfin, du zèque de l'étergent. Chaque fois, je me trompe. C'est la carga. En fait, ton arme, c'était peut-être une bonne idée. Enfin, si j'arrive à bien viser. Laissez-moi une minute. Vas-y. Trouve-moi la dessus pour ça. Parce qu'il y en a deux. T'as pas envie de créer une faille, toi? J'ai trouvé des munitions. Bien. Trouver des munitions, donne-moi là. Merci. Hop, si bien. Où est-ce qu'il est? Ok, il est là. Tiens. Il y en a où deux? Où est-ce qu'il y en a deux? Il y en a plus, il y en a. Je sais pas s'il y en a encore. Je prends ça en tout cas. Non, ça a l'air d'être bon. On va quand même garder ça. Rabine. Non, j'ai pas de temps. Okay. Prends ça. Ouais, ouais. Ah, on l'a. On apprend quelques trucs grâce à ça. C'est ça qui est bien. Le meilleur des générateurs. Votre vie manque d'énergie. Ouais. Truc aimé. Non. Et c'est l'électroquartz. Ah oui, fameux truc que je cherche. Donnez-moi-en. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, ça fait tout fonctionner ça. Merci, monsieur Fink. Ah, merci à toi, monsieur Fink. Fink. Bah, mais merci à toi, monsieur. Ouais, et alors regarde, normal. Comme si rien n'était. Bon, je regarde les trucs, tranquille. En même temps, vous me direz, je mange du gâteau. C'est pas mieux, peut-être. Santé plus. Santé moins, qu'est-ce que plus, non? Par chocolaté. Prends de portefeuille. Santé moins. Tenez, gardez ça. C'est quoi? Voilà. Ah, une pièce. Merci. Super. Merci bien. Bon, dès que j'ai utilisé mon... dès que j'ai avoir une machine pour mon pouvoir, je vais le prendre. Je quitte la zone. Oui. Ah. Slade, j'ai jamais su dire si ce type était complètement fou. Ou un vrai héros. Ni ce qui était le plus dangereux. Être avec lui ou contre lui? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit notre ami ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit notre ennemi? C'est ça la question? Je serais pas très pote, je sais pas c'est qui. Donc je sais pas très pote si c'est mieux qu'il soit avec nous ou contre nous. Mais alors je sais pas te dire du tout. Mais alors pas du tout. On est arrivé. Entre les héros. Ce sont les hommes qui prennent position. Oui, Kata. Pour Dieu et la douce mère patrie. J'ai pas besoin. Mais ici nous, les héros. Les héros.
héros de notre cité. C'est ça, les trucs quoi. Donne-moi ça. Je suis déjà à fond, de toute façon. On me dirait. C'est quoi? Ah, voilà. Ajoute des petits projectiles explosifs pour une plus grande zone d'effet et des dégâts améliorés. D'accord. Ajoute des petits projectiles. Ouais. Vendu. Merci bien. Moi, j'ai dépensé plein d'argent. Mais moi, maintenant, je l'ai. Ici. Est-ce que je peux prendre? Alors, chargeur amélioré. Non. J'ai déjà dit non. Oh, si, allez, à la mitrailleuse. Mitrailleuse. Précision. Ah, j'ai pas assez. D'accord, maintenant 512 que je dois avoir pour savoir monter ma précision. Alors, toi. Oui, bureau. Quoi? Je prends tout ça. Pour ça. Je peux garder ça. Plein déjà. Ok, on poursuit. Ah, il y a un truc là. On lit. C'est parti. Une fois notre tâche accomplie, ils nous traiteront d'assassins. Cornelius Slate, le redoutable crochet du gauche de la Vox Populi. Nous échangerons le mensonge de Comstock contre un nouveau. Enfin, qu'il en soit ainsi. Cette Daisy Fitzroy et sa Vox Populi sont mes camarades. Mais seulement par nécessité. Je ne crois pas notre que les prophète, hommes... le père Comstock, commandant de la 7e cavalerie. Il a jamais mené la 7e. J'ai absolument aucun souvenir de ce type. Le caporal DeWitt a bien prouvé sa valeur ce jour-là. Ah, mon Dieu. Slate, c'est toi. Tu as toujours été différent, pas vrai, Booker? Toi, tu cherches pas la gloire. Bon, je vois bien que... c'est pas vraiment le meilleur moment. Tu pouvais juste nous laisser aller trouver cet électro-quartz, eh ben... Ce soldat de plomb comme Stock veut notre mort. On ne le laissera pas faire. Laisse-moi ouvrir cette porte. Chut. Je crois que les ennuis approchent. Mes hommes n'ont plus qu'à choisir. Mourir aux mains d'un soldat de plomb ou d'un vrai soldat. C'est parti. J'en ai. J'ai amélioré mon gars en plus. C'est bon. Allez toi. Quoi? Tiens. Laissez-moi un peu de santé quand même. Tu vois, tu es un tueur, Booker. J'avais pas le choix. Donne-nous l'électro-quartz. Ouais. Si tu veux ce tonique, Booker, donne à mes hommes une mort honorable. Ils t'attendent à Wounded Knee et à Pékin. Faut de pistolet. Allez, pistolet. Trouvez les trois quartz. Si tu veux. Recharge. Prends ça. Prends la vision. Santé. Toujours plus de santé. Pile ce qu'il me fallait. Voilà. Comme ça, on a plus de santé, ça fait du bien. Les cristaux, pour l'instant, ça se passe. Peut-être pour le prochain truc. Hop. Mission. Ici, à quoi? Caisse à outils, y'a rien. Et santé, je suis déjà à fond. Donc maintenant, tu me laisses poursuivre. À la boîte. De l'argent. Toujours tout récolter. Donc maintenant, je peux prendre ça. Ah. Je peux avancer. Je vais essayer de vous trouver des munitions et du matériel. Mais ce n'est pas toujours facile à trouver. T'inquiète, t'as le temps. Fais comme tu le peux. Il n'y avait rien. Fusil à pompe que j'ai déjà dit, ça me sert à rien. Je ne saurais pas l'utiliser, vraiment. Alors. Munitions. Ouais, je veux bien des munitions, un petit peu. Pistolet, non. Mitrailleuse, oui. Voilà. Merci. Pour par où? C'est quoi ce truc? La forêt taille de Wesaki et la rébellion. Ok. Là, je sais pas quoi aller. On va aller là. Wow! Mais qu'est-ce que c'est? La révolte des boxeurs. Comment ça a fini? À Pékin. C'est ma main qui a réduit la ville en cendres. Bien sûr, ce n'est pas la version de Comstock. Logique. D'accord, on va découvrir des trucs ici. Excusez-moi. Donc, les élections corps à corps ont 65% de vous faire gagner de la santé. Élections corps à corps.
C'est quoi le mieux? C'est mieux gagner de la santé en tuant un ennemi au corps à corps ou les exécutions au corps à corps ou 65% de chances de vous faire gagner de la santé? Je prends mais je me l'équipe pas. Je comprends pas très bien pourquoi ce serait mieux. Il y a un truc derrière, non? Il n'y a pas de truc derrière. Ici non plus, non? Oui, peut-être, non? Il n'y a l'air d'avoir rien. Oula, toi! Fais gaffe, Elisabeth. Ils arrivent sur moi, les ennemis. Il y avait rien sur lui. On va enchaîner. Ah! Voilà, j'avais accroché. Je me disais bien. Un peu toujours, c'est pour plus tard. Oui, si on avance. Il y en a sûrement d'autres. Ah non, là on est revenu. Ah, je me trompe à chaque fois. Les chemins à chaque fois, je m'y perds. Donc je passe par ici. Je passe par là. Par là. Merci, merci, Emily. Emily. Elisabeth. Le temps ça sert à rien. Ouais, ouais, ça sert à rien, je sais. Ouh là là, c'est la bataille. Je connais, c'est comme Stock qui a mené les troupes de Columbia à Pékin et... Comme Stock n'était pas là. Les boxeurs ont pris mon œil et 30 de mes camarades. Y a-t-il au moins une pierre pour commémorer ce sacrifice? Non. Y en a pas. Où ça? Où ça? Où ça? Votre chair va brûler. Où ça qu'ils sont? D'accord, pas là. Là, là, là. D'accord. Là, là. Oula toi, ça je connais tout de suite. Je cherche même pas à comprendre. Essayez donc de me tuer. Tiens. Merde, merde, merde. Tiens. Voilà un petit peu. C'est vrai que contre eux ça peut être intéressant ça. Pendant que je rattrape tout ça. La bonne émission. Je te remercie. Merci, merci. Et... Ouais, tout est sur ce que j'ai. Donnez tout ce que vous avez. Aïe. Aïe, non, 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 pas mourir, pas mourir, pas mourir, pas mourir, pas mourir. Pas mourir. La santé, la santé. Ah, c'est bon. Waouh, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. T'as encore un peu. Et si c'est pas la fin? Tu vois, je crois qu'on meurt, je pense. Tu vois l'homme que Comstock aurait aimé être? Un vrai soldat. Je refuse de faire ça, Slate. Donne-moi juste ce que je veux. Très bien, mais donne-moi aussi ce que je veux. Essaie de me retrouver parmi les danseurs fantômes. Qui sont les danseurs fantômes? Wounded Knee. Il veut qu'on aille voir l'autre exposition. Tu les entends, les soldats de plomb de Comstock venus nous faire taire? Nous sommes les vrais patriotes. L'histoire qui n'a pas sa place dans leurs livres. Ouais, ouais. Moi, tout ce que je sais, c'est que tu vas me faire retourner, c'est ça? Non, excuse-moi, Elisabeth. Or, tout par là. Qu'est-ce que tu fiches? Ça n'a pas compté. Dommage. Même si c'est pas ça que j'aurais pu réutiliser. Je vais récupérer ce matin. Voilà. Tac. On prend. Et on fouille bien sur les cadavres. On sait jamais ce qu'ils ont sur eux. Un peu de santé. Ça fait toujours du bien. Qui essaie de se faufiler? Ouais, dis-moi, viens par ici. La suite. Quoi? T'es pas des soldats de bon? Mais moi, je vais t'apprendre qui suis. Tu vas me connaître. Ok. On veut poursuivre. Merci. Ils ont rien d'intéressant, des munitions. Ouais, de l'argent. Ça, c'est intéressant. Le soldat de plomb s'est approprié les exploits des vrais héros. Mais ton compagnon, jeune fille, il s'est couvert de gloire le 29 décembre 1890. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ouais. Salut toi. N'oublie pas que tu le saches. Excuse-moi. Donc toi, vous êtes tempérament invulnérable parce que vous avez récupéré de la santé avec un nom K ou un outil de type soin. Non, j'aime bien ce que j'ai. Pour l'instant, tout ce que j'ai, j'aime bien. Non, le lance-roquette, j'en ai pas besoin. Ici, c'est le truc qui sert à rien. Y'a pas un petit crochet ou quoi, quelque part? Non? Oui, non, peut-être. Mais y'a pas l'air d'avoir. Donc, bah, on va continuer tout droit, alors. On enchaîne. Donc, les tours qui se passent ici. Waouh, c'est la folie. On s'en fout. On s'en fout. On est parti. Vous y étiez. À Wounded Knee. Quoi? Je le vois sur votre visage. Comment ça? Peut-être. Dis-lui, Booker. Dis-lui comment on a retourné le champ de bataille, comme les héros de Sparte. Moi, j'entends encore les hurlements. Mais comme Stock, lui.
Voilà le soldat dont je parlais. Le genre d'homme que Comstock rêverait d'être. Vous voyez, je n'ai pas menti. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Booker, des munitions. Donne-moi ça. Merci. C'est tout ce que vous savez faire. Ça, c'est stylé quand même, toi, de commander des munitions. Ah, toi, dégage. Toi, dégage aussi. Allez, encore, encore. Un peu de corps à corps. Ça fait toujours plaisir. Ah, non. C'est bon? Non, c'est pas bon. Aïe. C'est bon. Il va arrêter de se dégainer ici. Rapproche-toi, rapproche-toi. Un peu de santé. Et où est-ce qu'il est l'autre? Je l'ai vu tout près. Je l'ai vu en plus, il est... Ok. C'est tout. Il y en a encore d'autres. Ok, il y en a encore d'autres. Fais attention. J'ai pas envie de la toucher encore, mais... Je sais la plus vite, ça sache. Où est-ce qu'il y en a deux? Par là, un corbeau. Ça... Ah, un corbeau. Des munitions. Merci, Yann. Yann, mais vraiment. Yann, touche-toi. Venez m'affronter. Viens, viens, viens. Tiens. Mange-toi ça. Viens par ici. Viens, casse-toi. Ah, mon pied. Je prends cher, là. Je prends vraiment cher. Il est là. Allez, toi tu mourrais. Allez, meurs. Ok. Il y a. Et bon. Tu leur as fait une fleur, Booker. Désolé, petite coupure. Oh, tu les as laissés mourir comme des hommes. On était où? Ah oui. J'ai rien contre eux. J'avais rien demandé, moi. Un héros se fait tout seul. Je me considère pas comme un héros. Alors tu es quoi? Si on supprime tous les aspects de Booker DeWitt que tu essaies d'effacer, que reste-t-il? Reviens dans la rotonde. C'est bientôt la fin. On peut y retourner? Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que vous effacez? Maintenant que t'es sorti de ta tour, tu vas peut-être finir par le regretter. Je préfère avoir le choix, monsieur DeWitt. Quel que soit ce qu'il m'en coûte. Ouais. Vraiment. Et si tu te réveillais un beau jour et que tu réalisais que tu t'es trompé? Ouais. C'est toujours la question. J'ai ce que tu es venu chercher, Booker. Sérieux? Tant mieux. Tu me trouveras derrière le monument de la première dame. Première dame, ok. Mais d'abord... Ça! Voilà! Réduit la super chose de la mitrailleuse d'espoir 5%. Il y a 4 niveaux, quand même. Bon bah déjà, ça va être déjà mieux normalement, avec ça. Bon. C'est parti! Salut les gars! Bon. Les gars? C'est peut-être pas par ici que j'aurais dû venir. Ah, vous êtes là! Vous êtes là! Viens. Et toi? Donne-moi un peu de santé! Donne-moi un peu de santé, toi! Merci bien. Non, encore? Je sais qu'il y en a encore, mais non, c'est bon. Fouillez cadavre. Les cristaux, génie. Là, je suis déjà plein, c'est pour ça. Ouais, il m'ordonne quand même. On peut penser ce qu'on veut de madame Comstock. Cette femme avait des goûts très assurés. Et tu le dis. Ah ouais, elle. Tu vois ce que Comstock a fait de mon histoire. Regarde comme il réécrit la sienne. Il dit son truc à lui. La progéniture du prophète n'eut besoin que d'une semaine dans le ventre de notre première dame. Ouais, genre. Comstock a eu un enfant. Je n'ai jamais rien lu à ce sujet. Genre, en une semaine. C'est un sacré oubli. C'est probablement pas un accident. Progéniture à la brise. Mais l'enfant tomba malade. Et madame Comstock pria pour lui jour et nuit. Voilà ma tour. Pour ça. Écoutez, Daisy Fitzroy a assassiné ma bien-aimée. Faut peut-être attendre. Mais elle n'aura pas l'enfant. Ouais, faut sûrement attendre. Elle n'entravera pas la prophétie. Je sais pas. La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les os.
Tu es la fille de Comstock. Non, impossible, je... Sérieux? Mais non. Il veut que tu continues ce qu'il a entrepris. Et moi, j'aimerais un poney. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Moi, je voudrais un poney. Tu peux déverrouiller ça? Je voudrais un poney. Et j'arrive quand même pas à l'avoir. On peut poursuivre. Mais il y en a pas de crochet à terre pour justement pas... pas le perdre. On dirait que non. Bon bah, on poursuit. Ici, à quoi? Le truc. La caméra. Ça. Avec de l'argent. J'ai trouvé de l'argent. Vous voulez? Bah bien sûr que je veux. Merci beaucoup.